Et oui, qu'avons-nous comme actualité chez nous? J'ai pas de retour. C'est bon. C'est le décès d'un homme après un contrôle de la gendarmerie suscitant l'incompréhension. Une enquête judiciaire est ouverte contre X pour homicide involontaire. Une question s'impose. Le procureur de la République a-t-il donné la bonne version des faits? En tout cas, la famille de Jean-Pierre ne lâche pas l'affaire. Autre actualité, c'est de la cocaïne. Beaucoup de genres sont concernés, sont impliqués, des genres de bonne famille. L'enquête continue, un réseau démantelé, débrouillard pas pêché, pas vu, pas pris. Et c'est comme ça la vie. Et l'eau, où en est-on? Ça va peut-être bouger avant les élections régionales, départementales. Les employés du SIAG vont mettre la pression. La dissolution est prévue, une proposition de loi présentée par Justine Bénin, députée, et le sénateur Théophile, refusée par l'ensemble des élus locaux. Les autres maires, est-ce une charge ou une richesse pour la France? On a souvent traité, présenté les départements français d'Amérique comme des danseuses, des cigales sur les cocotiers vivant sous perfusion dans une société de consommation avec des transferts sociaux où l'importation et le tourisme dominent comme activité économique. Combien ça coûte? On ne sait pas trop. Quel est le plan? Le savons-nous? Qu'est-ce qui nous attend? Que voulons-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud, pas de café chololo, mais café chaud. Monsieur Simon, bonjour. Alors d'abord à vous, Monsieur Montré, bonjour, chers amis du plateau, bonjour aussi à nos amis du Zoom, comme on dit, à René et Beauchamp également. Raymond Ramaille. Oui, bonjour Monsieur Mandré, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici comme ailleurs, bonjour aux amis du plateau et tous ceux qui sont en visio. Monsieur Mandré, je vous salue. Les dames ne sont toujours pas là? Pas là, oui. Mais je salue Raphaël Spironet. D'accord. Il est absent actuellement et je le salue Raphaël. Bonjour à toi, tiens bien. Oui, bonjour mes chers amis et bonjour particulièrement à la population de Port-Louis et à mon parrain Ander Judex que je salue bien bas, qui nous regarde. Wally Beauchamp, bonjour. Bonjour tout le monde. À inviter en nous, à un plaisir, à Moun Diablatola, à Spéronel qui va là. Parce que un plaisir, souvent... c'est 11h. Hein. Il est là, mais c'est 11h. Oui. Eh bien, à inviter en nous qui est là. Alors, c'est pas vrai. Bonjour. Et à Spéronel. Ouais. Wally Beauchamp, ouais. J'ai quelques pour vous. Hein. Et c'est monsieur, oui, je crois, c'est monsieur Jacobi Corali qui n'était pas tellement d'accord avec votre commentaire dimanche dernier. Monsieur Jacobi Corali, vous êtes à l'antenne. Monsieur Jacobi Corali, technicien. Il n'était pas content? Il n'a pas. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Jacobi Corradi. On va couper rien. Bonjour aux invités. Bonjour à l'ensemble des intervenants sur le plateau. Alors, monsieur Jacobi Corradi, sur le temps des plaintes, on porte des plaintes pour le champ du coq, on porte des plaintes pour la voiture à paix. Et là, vous avez porté plainte. Hein, là. Alors, expliquez-nous, c'est quoi? Parce que nous avons voulu commenter l'actualité de la semaine.
Voilà, mais, allez-y, monsieur Jacobi Coralie. Non, mais il n'est pas en vision, c'est en audio. Oui, oui, la démocratie est menacée. Oui. Et dès lors qu'il y a. Ah, il y a un problème de connexion. Mais pas connexion. Connectivité. Oui. Monsieur Jacobi Coralie, vous êtes avec nous? Et je parle de fait qui est précis, c'est le fait de corruption. Oui. Oui, oui, je vous entends. Oui, allez-y. Très bien. Et vous avez 4 minutes, hein, parce qu'après... On entend très bien. On vous entend très bien. Technicien, qu'est-ce qui se passe, ça? Oui. Oui, allô? Ah, oui, on vous entend, oui, monsieur Jacobi Coralie. Oui, c'est sûr, les faits de corruption, parce que c'est de l'homme qu'il s'agit de corruption, la corruption va à l'encontre de la démocratie. Et comme je l'ai rappelé à le ressentir, donc, si corruption il y a, c'est un poison pour la démocratie. En l'espèce, moi qui ai été sur les élections, j'ai constaté, en tout cas particulièrement aux amis, là où j'évolue, où j'observe depuis, où j'agis socialement depuis une trentaine d'années, donc j'ai relevé que les moyens de la ville, les moyens de Cap Excellence, ont été détournés allègrement au détriment, justement, de manière frauduleuse, au détriment de la démocratie. Je prends un exemple très simple, c'est-à-dire donc, les journaux de Cap Excellence et de la ville ont été utilisés par le candidat maire sortant à hauteur uniquement, je dis bien, après évaluation des primeurs spécialisés, 1,3 million, 1,5 million, uniquement en fait. C'est diffame. On n'a pas de maquette. C'est diffame, là. On n'a pas de rédaction. Ça a été jugé déjà. C'était jugé, Jacob Ellie, excusez-moi. Non, il a raison. Non, là, c'est excusez-moi, Jacob Ellie. Excusez-moi. Je dis bien qu'il y a problème. Donc, il y a problème. Et pour cela, quand le journaliste, par exemple, le journaliste est financé par la ville, à hauteur de 24 000 euros, par exemple, au motif ou des gros motifs de l'avion, et on constate qu'il sert régulièrement, on présente son micro, c'est-à-dire au maire, on se dit là qu'il y a un problème. Et parallèlement, on constate qu'il sabote les autres candidats. Effectivement, on se dit non, il y a un problème. Et ce n'est pas faux jugé. Il y a plusieurs reprises depuis plusieurs années sur la question. Mais ça continue, Il y a une décision de justice. Les faits étant très clairs, l'interprétation du code électoral étant très claire, j'ai dû, c'est-à-dire, porter plainte. Et de manière claire, et mon ami Nico Itaric a eu raison de dire que c'est le maire qui est visé parce que c'est lui le principal protagoniste en la matière. Protagoniste, implicateur de tout ce système. Et quand M. Beauchamp, fait raccourci, n'a pas eu la délicatesse de ne pas se prononcer quand il ne connaît pas un sujet, c'est-à-dire j'étais un peu gêné par cela. Je dis bien, pour conclure, je n'ai jamais rallié qui que ce soit. D'ailleurs, j'étais à l'opposition, le maire a fait des pieds et même pour que je le rallie. Et ce que je n'ai jamais fait, je suis connu aux abîmes pour être toujours resté sur ma position. Et donc, j'ai pris position en 2017 pour le moins macronien des candidats aux législatives, qui était Rosan Rosuel, un ami, disons, amical, je dirais, et contre le candidat député et servant du système République En Marche. Donc, je relève, malheureusement, je me suis trompé. Tous les deux, que ce soit le maire ou le député sortant, sont au service de la République En Marche et de ce même système. Donc, mais ça a été ma position, je n'ai pas rallié qui que ce soit. Aujourd'hui, mon combat, simplement, je dis bien, pour que la démocratie ait un sens, il faut justement, c'est-à-dire que la corruption, c'est-à-dire au niveau des médias en particulier, qu'il soit un équilibre dans le système démocratique, que la corruption cesse. Et la peine que j'ai portée, je l'ai bien argumentée, ce n'est pas la parole en l'air ainsi, sinon je m'expose à un risque de me faire sanctionner. Je l'ai fait en âme et conscience, avec toute la mesure que cela suppose. Je dis bien, s'il faut que les choses évoluent, il faut que ce type de système cesse. En deux mots, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Donc le gros du travail reste à faire. Merci. Vous avez terminé, hein, je pense. Hein. Bon, oui, merci, monsieur Jacobi Coralie. Oui, et nous allons continuer. Oui, si on se fait un commentaire, en tout cas, je félicite toutes les personnes qui ont eu qui ont été dans une circonspection la fois dernière. D'accord.
Ok. Bon, ben, je pense que c'est bon. Alors, messieurs, oui. Beauchamp. Monsieur René Beauchamp, une réaction, non? Oui, tu m'entends. Non, il y a une chose que je tiens à dire quand même, c'est qu'en trompant moins de monde, là, on a parlé de Jacobi Kouali. En fait, Jacobi Kouali avait même sa vie présenté aux élections à Zabim. Et là, on a vérifié, effectivement, il présenté aux élections à Zabim. Il a rappelé 390 voix, 2% 31, et pas au conseil municipal. Donc, quand on pense que son opposant politique qui était. Affaire là, ça, problème là, ça n'a pas été ni, mais c'est ça que je voulais dire d'ailleurs, pas été ni important si la guerre était ni là, s'il n'y a pas été Janton et s'il n'y a pas été Claude Danifan qui est exposé médiatiquement et dans l'actualité. Et question, et puis phénomène qui a touché toutes les villes municipales et tout ça, et qu'en réalité, c'est des opposants qui, pour faire, pour exister, qui utilisent un certain nombre de moyens juridiques qui sont à disposition, et au point final, et que pour moi, c'est un épiphénomène. Bon, mais c'est ça où t'es déjà dit, hein. Bon, alors, on continue. Donc, qu'avons-nous comme actualité? Nous avons dit, c'est le décès d'un homme. Justement, on en parle beaucoup et on se demande ce que le procureur a bien donné, hein, et comment pourrais-je dire, la version des faits, Monsieur Ramaille. Alors, oui, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Et je comprends la peine et la douleur de ceux de la famille et des amis de M. Jean-Pierre, c'est ça, M. Oui, Jean-Pierre. Oui. Cependant, il y a eu un film et le procureur s'est prononcé sur cet aspect-là. Donc je pense que je ne peux pas mettre en doute ce qu'a dit le procureur concernant cette affaire, et je reste persuadé que il n'y aura pas de partialité à prendre dans une affaire de justice où il y a eu mort d'homme. Donc si le film donne un certain nombre d'indications, et apparemment il y en a qui contestent disant que la totalité du film ou je ne sais trop quoi n'a pas été montré, mais je ne vois pas comment on peut contester, aller à l'encontre de ce qu'a dit le procureur. Je ne peux pas mettre en doute la véracité de ce que dit le procureur. C'est une version qui a certainement été étudiée, qui a été étayée avec le film, avec le droit, avec la gendarmerie, ceux qui sont concernés. Et ma foi, maintenant, il y a des gens qui veulent toujours contester et qui veulent toujours se mettre dans une position parce que... c'est un petit peu triste de le dire, mais en fait, des fois, il y a des réactions épidermiques aussi. Et donc, on ne peut pas non plus toujours s'opposer à, parce que, bon, on n'a pas eu satisfaction. La réalité des faits ne correspond pas à ce qu'on pense, qu'on doit dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, la justice va se prononcer, la justice va faire son travail, et on aura la version qui sera dite par la justice. Et là, je ferai totalement confiance à ce que dira la justice. Monsieur Collet. Oui, Monsieur Mandré. Oui, alors, est-ce que le procureur de la République a bien donné la version des faits? Ah, je ne saurais répondre, mais il y a trois questions. Ouais. Il y a trois questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on nous dit? D'un côté, le nouveau procureur de la République nous dit, on voit un individu fortement alcoolisé, qui semblait agité, et une interpellation suivant les règles communes à ce type de procédure qui était mise en œuvre et aucunement dépassant les limites requises là-dessus. Du côté des avocats du décédé, et c'est ce qui est dommage, un homme interpellé est décédé. On nous dit, on voit, et belle surprise, une caméra de la ville de Dé a capté, de vidéoprotection a capté ces images, et heureusement, on voit donc des officiers, des gendarmes qui procèdent au contrôle, somme toute régulier, hein, d'un individu
Et visiblement, cet individu est sorti du véhicule de manière assez brutale. À ce qu'on nous dit. Deuxième question, c'est justement, que voit-on ? Eh bien, on voit justement de ces mêmes caméras de vidéoprotection le contraire de ce qui est annoncé par le procureur de la République. Ce qui est confirmé par les avocats, justement, de la famille du décédé. Troisième question, qu'est-ce qu'on veut nous cacher ? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher ? Les faits sont têtus, ils sont réels et ils sont là. Que veut-on nous cacher ? Monsieur Mandré, nous sommes dans un climat dangereux. Et nous sommes dans une situation dangereuse. Entre ce qui se passe en France hexagonale, là vous avez entendu le jeune Yuri, là, un jeune adolescent qui s'est fait fracasser en France métropolitaine. Le Premier ministre, le ministre en charge de l'intérieur est monté au créneau. On l'a entendu. Et là, il y a un Guadeloupéen, un citoyen français, qui se retrouve aujourd'hui décédé, qui est décédé à la suite d'une interpellation, à la suite d'un contrôle. Et là, deux versions fusent. Alors qu'il y a des caméras de vidéoprotection qui annoncent un trait de vérité totalement différent. Et j'entends de tout, et surtout de la parole des services justement de la justice, des paroles qui sont assez subversives, qui sont gênantes, qui sont à la limite même remplies de difficultés de vérité et qui me font peur pour la démocratie que la France veut, appelle de ses voeux, qui me fait peur pour l'idée de justice que nous nous faisons. Des caméras disent quelque chose, à moins que quelque part, que les caméras, on puisse interpréter des faits visuels qui sont sans appel. Je suis très embêté et je suis gêné, et voire même dans une situation dans laquelle où je dirais qu'il y a danger. Il y a danger. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas ? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher ? Et ça, c'est très dangereux. Et moi, je demande que nous tous, Guadeloupéens, autant que nous soyons attentifs à ce qui se passe en ce moment. C'est trop grave pour qu'on puisse, d'un coup comme ça, nous cacher cette vérité-là. C'est trop grave ce qui se passe. Et il faut que nous soyons vigilants et réactifs pour ce qui va se passer. Il ne faudrait pas que nous acceptions le n'importe quoi, autrement dit, la façon justement de faire. S'il y a des responsabilités au niveau des gendarmes qui soient mises en cause, pointerait. Et donc, je considère pour ma part que ces éléments-là, ça, sont suffisamment dangereux pour que nous puissions ne pas avoir suffisamment d'éléments de vérité. Très rapidement, monsieur. Ouais. Deux choses. En lien avec l'état de droit et la citoyenneté. Je voudrais rappeler à Jacobi Coali de faire attention. C'est quelqu'un qui aspire à représenter le peuple dans une démocratie. Okay, ouais, ouais. Non, démocratie. Mmh. Il ne faut pas, lorsqu'il utilise légitimement son droit de réponse, qu'il prenne le risque de commettre de la diffamation. Sinon, on ne s'en sort plus. Hein. Donc, il faut se tenir un peu. Quand on a un droit à l'exercice de droit de réponse, on doit profiter de ce temps-là pour jouer avec la diffamation. Donc, c'est un conseil amical. La deuxième chose, je reparle au procureur de la République. Lorsque le procureur intervient, il ne faut pas qu'il intervienne pour privilégier la paix sur la justice. Il est là, à mon avis, pour la justice. Parce que, parfois, pour avoir la paix, on peut dire beaucoup de choses pour couvrir beaucoup de choses au nom de la paix. Ce n'est pas un gardien de la paix, il est là pour la justice. Et donc, il ne doit pas dire des choses pour pouvoir calmer, couvrir, garantir la cohésion ou l'ordre colonial. Il est là pour dire la justice et faire marcher le droit. Et je suis très heureux qu'en dépit de ce qu'il a dit, de ce qu'il pense, qu'il souhaite, que cette affaire-là est aux mains de la justice et que le contradictoire va pouvoir marcher et dire quelle est la vérité judiciaire. Bien. Monsieur. Je souscris tout à fait aux ces derniers propos de Nico. Hein. On arrive à voir au contradictoire. Chacun va exposer ses points de vue. Et puis, le juge, les juges vont décider dans cette affaire-là. Mais on partage tout à fait la grande tristesse de la famille, de la population CDE,
parce qu'il y a eu mort d'homme, c'est la grande désolation, si on peut dire. Mais il faut vraiment qu'il y a, doit y avoir vraiment une affaire devant le tribunal. Eh bien, le contradictoire sera là, on écoutera les parties, et la vérité devra ou devrait sortir de cette phase de contradictoire, du contradictoire en tout cas. Voilà un peu ma opinion. Nous arrivons à notre pause café. Et oui, nous revoilà. Oui, René Beauchamp. René, est-ce qu'on avec nous? Es-tu là? À part attendre-vous. René est avec nous ou pas? Oui. Est-ce qu'on attend moins bien? Ah, bien qu'attendez-vous bien. Qu'est-ce qu'on a pensé bon, de ça? Alors, que vous avez, là, ben, là, et puis, à la question, la santé, quand tu as fait deux ou trois timises au point, il faut nous faire attention, là où on va parler, à ne pas dire que Bougla est sous. Pas ni pont contre l'éthylique qui fait dans les bouglas. Ça, c'est bien ça. Pas ni Adam qui est rapport au toxique. Pont analyse toxicologique qui a montré que Bougla est boué alcool de manière démesurée. Ou pas vrai? Alors là, le procureur là, qui a dit qu'il a été une conduite hésitante, qu'il a laissé entendre parler, qu'il a prétendu qu'il est sous. Pour qu'il n'y ait pas basé sur les ponts analyses scientifiques, ponts bitin normal pour affirmer bitin là ça. C'est pour ça qu'il faut nous faire très attention là où nous pas parler, pour que nous ne pas ajouter la confusion à l'essentiel. Ça, c'est yon. Deuxième problème, moi, je ne vois pas la vidéo. Les gens qui voient la vidéo, c'est pour qu'il y ait là et c'est avocat là. Moi, j'ai écouté les gens qui voient la vidéo et fille à Bougla, fille à Clodo. Et si les gens là, au bout d'un moment, ils partent. À cause des violences là, tu as exercé dans les papayes. C'est ça, l'immunité. Effectivement, Bougla, Clodo, il était jani au Jean-Maï, en dehors, à voiture. La porte là, tu es ouverte, parce que tu n'as pas raison de t'exercer. On sait qu'il y a une violence pour te voter dans la voiture. Il y a une violence qui est exercée, ou pas, d'après ça, c'est avocat là, tu as dit, ou à voiture, manifestement, il y a voté violemment en voiture. Il n'est pas en position non plus à partir qu'on procure là, tu as dit, puisqu'il était ni en Jean-Maï, en dehors, à voiture. Donc, ni un problème. Procureur là, manifestement, bon, il a essayé de couvrir. D'ailleurs, il a signalé que ces gendarmes-là, ils ont déjà fait pour enquête côté, ils ont déjà tenu un problème là, ça, et ils ont continué à fonctionner. Et encore rappeler que, en les questions là, ça, il faut nous ajouter hein, différentes affaires qui ont passé en Guadeloupe, hein, ni Charles-Henri Salin qui était venu, et que, jugement là, dit qu'il était. Jugement là, dit que les gendarmes là qui tuaient Tibouga, alors que Tibouga, ils ont trouvé des 7 gendarmes et ils ont fait une balle. Jean a dit que oui, Jean l'a tiré en l'œil, mais voilà, les circonstances qui ont fait qu'il est coupable, mais il n'est pas irresponsable, mais pas coupable. Il bénéficiait d'un non-lieu et Bougla continue à faire carrière de manière tout à fait normale. Gilles Boudin, en 81, c'est un jeune petit Bougla, 17 ans. Il était monté à les trois familles parce qu'il était ni au voisin, au Bougla, là, madame a été exposé, il était monté à les trois là pour regarder. Bougla fouille une balle. Même bitin qui passait, La police, la gendarmerie couvert Bougla, ça fait un lot de Batibou en 81 d'ailleurs. Et Bougla, ça a retrouvé, c'est un bouc qui a travaillé à 14, il a retrouvé en Guyane et il continue à fonctionner normalement, et même l'entreprise a en Guyane. Lui aussi, il a dit que oui, il est responsable à coup de fusil là, mais pas coupable parce qu'il a été peut comprendre, etc. etc. Il n'a pas fait pour journée là. Ou qu'on prend un cas à Hombourg à Trois-Rivières qui tenu au problème de schizophrénie, etc. Ces gendarmes-là, t'es venu à l'appel à la famille et tout ça, pour essayer de calmer, etc. Ces gendarmes-là, ils ont eu 7 balles. 7 balles. Après, j'ai entendu qu'ils ont inculpé de quoi que ce soit. Ni qu'ils ont mis en cause. Et on peut parler de 67 et de toutes ces bêtises-là, ça pour dire qu'elles valent. Malheureusement, dans les colonies, c'est comme ça, et dans les pays, c'est comme ça. On a une sorte de permis permanent de tuer quand il s'agit justement des autorités face à des mouns, et ça toujours couvert par la justice qui cabaille des non-lieux. Et ça, c'est des éléments en trop. Il faut nous commencer à arrêter avec ce système-là, ça, méthode-là, ça, qui veut que, de toute façon, aux colonies, il faut tout étouffer, il ne faut jamais rien dire, etc. Parce que ça qui fait des ordres, parce qu'est-ce qui habite, etc. Effectivement, ça a été passé en France, ou pas été tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il faut être très prudent lorsqu'on ne peut pas faire un certain nombre de promoteurs. Il faut comprendre l'exaspération à monde et, si vous voulez, en y voir la jeunesse en particulier, qui vit toute une situation sociale et tout ça, et grissement est devant des problèmes comme ça. Parce que ça ressemble des problèmes de profitation. C'est pour ça qu'il faut nous faire le maximum pour que coula ça, ni au moins un jugement normal qui rentre,
même si nous savons qu'en colonie, bon, la justice souvent a couvert ses actes. Oui, juste une précision. Collez rapidement juste parce précision, que. Très rapidement. Oui, très bien. Oui, mais les faits sont graves, sont très graves. Et je salue beaucoup les propos de René qui sont tout à fait exacts. D'ailleurs, on est tous d'accord ici. Quelle est, dans cette situation où les services de la justice vont jusqu'à, au nom d'une paix sociale, ou en tout cas de la recherche d'une paix sociale, presque faire dire le contraire à des caméras de vidéoprotection, M. Mandry. Voilà la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans quoi ? En France hexagonale, une situation comme celle-ci n'existerait pas, M. Mandry. D'ailleurs, où sont ces gendarmes ? Où sont-ils ? Ah, peut-être qu'ils sont déjà partis, M. Mandry. Hein, c'est des questions qu'il fallait pouvoir se poser. La vérité a été révélée par des caméras de vidéoprotection. Et on dit, de la bouche de la justice, en tout cas des services de la justice, le contraire, M. Mandry. On a vu le contraire de ce que confirme la justice, M. Mandry. Moi, en tant que citoyen guadeloupéen, français, démocrate, je suis protégé par quoi ? Par qui ? C'est ça, la question. Qui me protège dans une situation comme celle-ci ? Est-ce qu'il y a en Guadeloupe une zone de non-droit ou une zone justement où le droit est revisité, où la façon dont on voit les faits, quand il s'agit d'éléments justement de l'État qui sont en jeu, est-ce que la justice doit regarder autrement ? Et c'est des questions qui sont légitimes à se poser, M. Mandry. Comment peut-on encore croire qu'on puisse faire dire à des caméras de vidéoprotection le contraire de ce qu'elles montrent, de ce qu'elles filment ? C'est ce qui est dangereux dans cette société-là. Comment, quel signal que vous envoyez aux jeunes Guadeloupéens ? Quel signal que vous envoyez à la population guadeloupéenne ? Quelle protection que vous leur conférez ? Quel droit que vous leur laissez penser qu'ils puissent avoir dans une situation aussi dangereuse que celle-là, M. Mandry ? C'est-à-dire que le casier judiciaire collectif de la gendarmerie en Guadeloupe est tellement chargé et sensible que le procureur de la République peut être se sentir autorisé à produire un fait alternatif, pour parler comme Trump, au nom de la paix sociale. Et ça, c'est inadmissible. Bien. Alors, oui, Monsieur Plaisir, vous êtes avec nous, Alain Plaisir. Oui, Alain Plaisir, vous êtes président du CIPA. Alain Plaisir, on ne vous entend pas. Pas débat. Le micro, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, mais non, voilà. Ouais. Un peu plus encore. C'est bon. En quatre autres, hein. Oui, c'est bon. Nous, mais nous, pas dans nos biens. Oui, en quatre Alors, les un maximum, là. C'est bon, là. Ouais, c'est bon. Alors, les vœux pour la Guadeloupe. Bon, ben, déjà, salut à toutes les personnes sur le plateau. René, salut. C'est pas rien ajouté. En plus, ça s'est redit. Hein, bon, donc, nous prenons l'occasion de revenir à ce problème-là, ça, et d'autres problèmes. Bon, mais mes voeux à la Guadeloupe, c'est de tenir bon, quoi, parce qu'on a une situation difficile au niveau sanitaire, avec l'histoire de Covid, mais également au niveau économique et social, puisqu'on a vu les chiffres, hein. Le nombre de gens bénéficiaires de RSA explose. Le chômage continue à se développer en Guadeloupe. Et il y a une désespérance de la jeunesse. Et donc, ce qu'on peut demander aux Guadeloupéens, c'est faire face à tous ces problèmes, de résister et surtout de porter l'offensive parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être sur la défensive. Il faut envisager un changement qualitatif et quantitatif en Guadeloupe et notamment au niveau de la gouvernance. Donc, ce que je dis aux Guadeloupéens, eh ben, la situation n'est pas désespérée. Il y a une voie à emprunter. Et celle-là, c'est celle de l'émancipation. Et donc, il faut s'engager véritablement dans ce combat émancipateur. Oui, alors, avec plaisir. On entend parler de 11 affaires à cocaïne, hein, qui machin, et puis d'endroignés. Enfin, pas ça, si, mais il y avait ça, mais qu'apporter comme
pas témoin qui j'aurais été placé en témoin assisté. Témoin assisté. Témoin assisté. Témoin assisté. C'est pas plaisir, n'a rien à voir avec ça quand même. Non, ça va bien, mais. Oui, mais en fait, par rapport à. Non, c'est par rapport à l'événement, je l'avais annoncé. Ah, d'accord. Je l'avais annoncé. Tu veux dire parce que c'est un ancien douanier, il faut l'interroger sur. Non, non, je dis, est-ce que vous. Oui, est-ce qu'on connaît les douaniers là? Non, je ne peux pas éviter vous ça. Je ne suis pas invité pour parler de fait divers. Donc, il y a un problème. Oui. On va la justice faire son travail. Parce que, bon, ben, il, y a peut-être, il est peut-être coupable, il n'est peut-être pas coupable. On ne sait pas. Donc, il faut attendre l'enquête. L'investigation. Non, il paraît qu'il y a eu des gens de bonne famille hein, qui sont dans cette situation. Bien. Alors, Monsieur Plaisir. Justement, le thème était que l'outre-mer est-ce une charge ou une richesse pour la France ? On a souvent traité, présenté les départements français d'Amérique comme des danseuses et de la République, des cigales sous les cocotiers et vivant sous perfusion et dans une société de consommation. Avec des transferts sociaux, l'importation et le tourisme semblent être des activités économiques dominantes. Aujourd'hui, quel est le plan? Comment voyez-vous les choses? On l'a perdu, monsieur? Oh là là. Donc, monsieur Plaisir n'est plus avec nous. Monsieur Plaisir, vous n'êtes plus là. Ah, bon. Eh bien, bon, ben. Alors, comment voyez-vous les choses, messieurs? Non, c'est-à-dire, merci quand même pour l'intervention. On a une coupure avec plaisir, en espérant qu'on l'aura dans la progression de cette émission, en tout cas assez rapidement. Non, mais plaisir, c'est un homme de terrain ici. Hein, vous avez posé la question concernant la droite. Je crois que c'est une bonne question qui était bien placée, dans la mesure où il connaît la maison mieux que nous, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement. Pour ça. Ouais. Bon, alors, sur les questions économiques. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, mais en fait, tout simplement, vous avez voulu peut-être attirer son attention sur cet aspect-là. Voilà. Alors, je voudrais tout simplement dire que je pense qu'il va nous partager là-dessus, enfin qu'il va partager les analyses, l'analyse que vous avez précisément avancée, M. Mandré, situation chaotique, hein, on le connaît, que ce soit en France, dans le monde. Ah bon ? Une économie qui est totalement, je dirais, démantibulée, en quelque sorte, du fait de cette crise virale. Donc, du fait de cette crise virale, et que, bon, en fait, alors, je continue, bien entendu, hein. Alors, du fait de cette crise virale, il y a une situation économique qui est préoccupante, catastrophique, réellement. On ne sait pas les aboutissements de cet état de choses, en tout cas, cette réalité-là. Mais il y a lieu, je pense, d'espérer une véritable amélioration de cette situation, parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état, tout simplement parce que c'est planétaire, hein, ce n'est pas seulement en France qu'existe cette situation, elle existe partout, donc il y a lieu d'espérer une véritable, je dirais, coopération internationale, une volonté d'aller vers le mieux-être, et à mon sens, cela ne peut plus jamais gagner cette bataille, cette lutte, dans la division, dans la déchirure, dans la critique permanente des uns contre les autres. Donc, sur cet aspect-là, moi, je me remets à la coopération entre les États pour une amélioration, je dirais, de la situation mondiale et par conséquent de la situation française. Alors, pour nous, en Guadeloupe, vous avez un petit territoire qui est ce qui fait partie, en quelque sorte, du global, c'est-à-dire de la France et du monde. Nous sommes dans cette mondialisation et nous subissons les effets. Nous sommes victimes aussi de ce virus, de cette crise virale. Et on voit là comment les choses, la situation économique se répercute sur une situation sociale qui devient de plus en plus catastrophique.
de plus en plus catastrophique parce que tout simplement il y a les retombées sur la vie de tous les jours des individus qui vivent dans une crainte permanente parce que bon, les entreprises ne sont perte du terrain, l'activité de tous les jours est en nette diminution. Et que par conséquent, le relais social, à savoir la solidarité, je dirais générationnelle, la solidarité aussi institutionnelle, la solidarité, je dirais mondiale, doit jouer pour permettre, en tout cas, de passer cette phase difficile que nous vivons en ce moment. Donc voilà un peu mon point pour un peu, je dirais, non pas précéder, mais en fait, donner la température, parce que je pense que c'est une idée qu'on va partager tout à fait. Tu continues. Va partager tout à fait plaisir. Voilà. Avec plaisir. Oui, on parlait justement des départements français d'Amérique et considérés que comme des. Moins que rien, quoi. C'est-à-dire que, bon, alors on disait, est-ce une richesse ou une charge pour la France? Ok, alors je vais donner la réponse que l'historienne Karen Dankos avait donnée il y a quelques années. Et je rappelle qu'elle était aussi députée européenne. Elle est venue en Guadeloupe juste il y a quelques années. On lui avait posé la question, qu'est-ce que rapportent les DOM à l'Union européenne? Elle a dit, ça rapporte des recettes fiscales. C'est passé inaperçu, personne n'a relevé, personne n'a analysé ses propos. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai l'occasion, je vais expliquer ce qu'elle voulait dire par les DOM, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, rapport des recettes fiscales à l'Union européenne. Donc je mélange l'Union européenne et la France, puisque la France est dans un ensemble de 27 pays maintenant. Et donc l'Europe a des compétences en matière de relations extérieures, de commerce extérieur, de douane et d'autres compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que les DOM rapportent à l'Union européenne comme recette fiscale? Eh bien, essentiellement, des droits de douane. Cela veut dire que l'Union, c'est 27 pays où existe la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux. Mais l'Europe, l'Union européenne a des relations avec des pays tiers, des pays qui sont hors Union. Et ces pays-là, donc quand ils vendent un produit l'Europe perçoit un droit de douane. Et ce droit de douane, c'est une recette de l'Union européenne. À titre d'exemple, pour que les gens comprennent, un exemple très précis. Prenez, pourquoi gênez-moi là? Allez-y, avec plaisir. Quand vous achetez une voiture japonaise, vous payez un droit de douane de 10% sur la valeur, et cette recette-là, c'est une recette de l'Union européenne. Donc, voilà une recette que personne n'en parle. On parle souvent de l'octroi de mer, on parle de TVA, mais on ne parle pas de notre contribution aux recettes de l'Union européenne. L'autre élément, ce sont aussi les prélèvements agricoles qu'on perçoit sur nos productions. C'est la cotisation sucre qu'on paye aussi. Donc, voilà un certain nombre de recettes qu'on devrait connaître et qui est une contribution de l'Union. On parle souvent de ce que l'Europe verse en Guadeloupe sous forme de fonds structurels, on ne dit pas qu'on contribue. L'autre élément qui est important, c'est une recette indirecte, c'est, vous savez, on parle beaucoup du POSEI, du POSEI. C'est de l'argent que l'Europe donne à un certain nombre de producteurs agricoles, surtout les producteurs de bananes, et qui sont surtout en Martinique. Mais il faut savoir que quand les bananes des pays tiers, donc ce qu'on appelle la banane dollar, arrivent en Union européenne, cette banane paie une taxe de 175 euros la tonne. Et comme l'Europe achète 3 millions de tonnes de bananes en dehors des pays en dehors de la Guadeloupe, de la Martinique, donc des pays tiers, eh bien, 3 millions multipliés par 175 euros, eh bien, j'ai les chiffres, ça vous fait 525 millions d'euros que perçoit l'Europe sur les importations de bananes. Et c'est parce qu'il y a des bananes en Guadeloupe-Martinique que l'Europe s'autorise de protéger notre production, entre guillemets, protéger. Et cette protection, eh bien, évidemment, ce sont des lois
que l'Europe perçoit. Et sur ces 500 millions que l'Europe perçoit chaque année, un peu moins de 200 millions sont envoyés en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Donc ça, voilà le premier élément. Deuxième élément, pour montrer que nous ne sommes pas des danseuses, comme on dit, concernant la France. Effectivement, la France envoie ici ce qu'on appelle le transfert public. Alors, transfert public, il faut savoir, c'est essentiellement la paie des fonctionnaires de l'État, donc les enseignants particulièrement, et les enseignants des administrations d'État, finances, etc., l'INSEE. Et aussi, la France prend en charge le déficit de la sécurité sociale, qui permet de prendre en charge les prestations sociales. La France prend en charge le déficit, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. Voilà ce que la France donne à la Guadeloupe, enfin Guadeloupe-Martinique. Alors il faut savoir que dans ces transferts publics, l'État s'est désengagé depuis la décentralisation. L'État pratiquement n'investit plus en Guadeloupe. Donc l'État donne paye ses fonctionnaires, donc son appareil d'État. Mais l'État n'investit plus puisque, comme vous le savez, avec la décentralisation, ben ce sont les collectivités qui font les lycées, qui font les collèges, qui font les routes qu'on appelle nationales, mais qui sont en réalité des routes régionales ou départementales. Donc l'État se désengage et en réalité, les fonds européens compensent simplement le désengagement de l'État. Donc il ne faut pas croire qu'il y a des milliards qui arrivent en Guadeloupe comme on nous fait croire. Donc ça, c'est la contribution de l'État. Mais il faut savoir que ce qu'on rapporte aussi à... Là, c'est encore parti. Là. C'est reparti. Allez, plaisir. Oui. Oui. Ah. Oui, oui, ça va. Ça va. Nous achetons dernier chiffre, le chiffre de l'IEDOM. Nous avons acheté en 2020 3 milliards d'euros de marchandises. Et sur les 3 milliards d'euros de marchandises, 70% viennent de la France et de l'Union européenne. Et seulement à titre de comparaison, les États-Unis qui sont proches de nous, nous n'avons acheté que 4% de marchandises aux États-Unis et pratiquement rien au Brésil. Donc on n'a rien acheté dans notre environnement, on a acheté dans un pays européen dont la France. Ça veut dire que nous sommes, comme à l'époque coloniale, nous sommes surtout un marché pour les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises, puisque sur les 70%, il y a 60% de nos achats qui viennent directement de France. Sur ces achats, nous payons 400 millions de TVA. Nous payons 400 millions directement sur les importations, également sur le régime intérieur. C'est-à-dire tout ce que vous faites, quand vous faites un travail chez vous, eh bien, si l'entreprise ne travaille pas, si ce n'est pas un Uber, eh bien, on va vous présenter une facture et vous verrez sur la facture que vous avez payé la prestation plus la TVA. Eh bien, ça, c'est une recette de l'État. Donc, voilà à peu près la situation. Et au niveau géopolitique, vous avez la France a un intérêt stratégique à être dans les départements de commerce. Je ne parle même pas de la base de Kourou, où les armées qui sont en Guadeloupe, Martinique servent de sécurité pour la base de Kourou, parce qu'à n'importe quel moment, on pourra faire appel aux troupes qui sont basées en Guadeloupe-Martinique pour aller porter main forte au cas où il y aura un problème sur la base de Kourou. Mais au niveau purement concret qui concerne le quotidien, il faut savoir qu'il y a une interrégion des douanes qui est basée, dont le siège est en Martinique, mais vous avez donc des douaniers qui sont en Guyane, qui sont en Guadeloupe et en Martinique, qui ont des avions, qui ont des gardes-côtes, des bateaux. Et le rôle essentiel de cette interrégion, c'est d'empêcher la drogue, les stupéfiants, d'arriver en Europe. C'est pas pour défendre nos intérêts, hein, parce que pour faire la lutte contre les stupéfiants du genre marijuana, eh bien, il y a des services qui sont sur place. Mais l'interrégion, qui a des avions et qui a des bateaux, c'est uniquement pour capter tout le trafic de stupéfiants en direction de l'Union européenne. Donc, si la France n'avait pas cette base, la lutte contre les stupéfiants serait plus difficile.
Et enfin, j'ajoute comme intérêt de la France, un intérêt qui va prendre de l'importance de plus en plus, c'est la zone économique exclusive. La zone économique exclusive, pour les auditeurs, les téléspectateurs qui ne savent pas, c'est une zone qui part des côtes de la Guadeloupe, des côtes de l'archipel, puisque la Guadeloupe est un archipel, et qui va 390 km du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cette grande zone-là, c'est 90 000 km², ça veut dire aussi grand que le Portugal, l'Autriche ou la Guyane, eh bien, ça appartient à la France. Et la France a toute compétence en matière de ressources biologiques, donc tout ce qu'il y a dans la mer, en matière de ressources minières, oui, minières, minérales. On fait une pause. Hein. Voilà. Et donc, plaisir. Oui, voilà, termine. Je termine. Et on rentrera dans l'esprit d'éco-club. Alors, deuxième pause café, oui. Mesdames, messieurs, nous revoilà. Alors, le thème, c'est toujours les Outre-mer, est-ce une charge, sont-ils une charge, comment on pourrait dire, une richesse pour la France? Est-ce une charge ou une richesse pour la France? Et alors, René Beauchamp, il n'est pas encore là. René. Oui, oui. René, alors, qu'on a pensé? Oui. Est-ce qu'on nous en charge pour la France ou bien en richesse? Non, mais tout à fait d'accord avec l'analyse qu'Alain a fait en ce qui concerne, si vous voulez, les problèmes de transfert d'argent entre la France et la Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la France. Nous, pas du tout en charge pour la France. On peut simplement ajouter encore que si vous voyez la France encore qu'elle détienne le titre d'une puissance internationale, c'est bien par présence il y a dans toutes les mers à travers les colonies, hein, les surfaces maritimes. Hein. Et c'est bien par là qu'il nie le titre de puissance encore. Mais du point de vue de l'économie à la France, depuis le développement économique à la France, et tout ça, pas qu'à justifier le titre là, ça encore. Donc, nous capoter certainement la France un paquet de butins, et nous capoter, et à ce qu'a concerné le problème à la dépendance et transfert d'argent et tous ces butins à ça, la France, quand ils vont bon un peu l'argent de nous. Deuxièmement, la France n'a tout intérêt à maintenir une domination ailleurs dans les colonies, tout simplement parce que ça cabaye en puissance qu'elle n'a pas atteint de manière naturelle. Mais en la situation là même en Guadeloupe, en cas quoi que, faut nous, si goûte à présenter nous en la réalité même à situation là en Guadeloupe, qui a fait que actuellement nous avons une société de consommation qui n'est en sorte de croissance sans développement et qui a tué toute possibilité de développer une véritable société de production en pays en nous. Intérêt à la France, c'est société de consommation là. Et nous nie, et l'autre jour là, José Galard, quand il a dit ça de manière assez intéressante, nous nie tout un certain nombre de réglementations en disant à pays là ça, mais qui pas touché seulement l'aspect financier, mais qui a touché l'aspect réglementation à fonction, à société en nous-mêmes au niveau économique, qui sait les réglementations qui sont complètement inadaptées à la réalité à pays en nous, et que nous avons un problème essentiel dans le pays là, ça, c'est le problème à le fait que nous ne pouvons pas légiférer et ben nous des lois et évidentes qui peuvent permettre nous véritablement ni un encadrement ou un environnement réglementaire qui peut permettre de développer l'esprit d'entreprise et développer l'entreprise en pays en nous et permettre aborder les développements économiques, culturels et sociaux en pays en nous. Donc, en cas, c'est ça qu'il faut ajouter en plus à ça, à l'intégralité. Et en cas, quand les questions là, ça a été intéressant qu'elle nous parler et qu'elle nous discuter. Allez, plaisir. Allez, t'es avec nous? Je vous entends. Oui. Alors, on parle beaucoup maintenant de l'octroi de mer, qui une taxe qui est menacée par la Commission européenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Et puis, à quoi ça, cette taxe sert à quoi véritablement? Bon, je vais commencer par la fin. Taxe qui représente la somme de 200 millions. Sert à financer les collectivités, les communes, surtout, on parle de l'octroi de mer. Ah, il y a encore un problème.
Oui, il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Il y a l'octroi de mer traditionnel qui existe depuis plus d'un siècle, depuis l'époque coloniale, et qui existe encore. Et il y a depuis les lois de décentralisation, depuis 1982, une taxe qui a été créée pour financer la région, qui s'est appelée le droit additionnel à l'octroi de mer, et qui s'appelle maintenant l'octroi de mer régional. Donc, cet octroi de mer régional, c'est environ 35% du budget de fonctionnement de la région, donc, ce qui n'est pas négligeable. Ça sert à financer l'activité, et même les EPCI ont aussi 1% de cette somme. Et la question, à mon avis, je l'ai dit plusieurs fois, l'octroi de mer ne sera pas supprimé parce que l'octroi de mer, ça représente 1 milliard pour les 4 DOM. Je rappelle que l'octroi de mer n'existe que dans les DOM, dans les 4 DOM, maintenant depuis quelques temps, à Mayotte aussi. Et donc, c'est 1 milliard. Donc, si la France décidait de supprimer l'octroi de mer, eh bien, il faudrait compenser les sommes qui n'existeraient plus. Quoi. Il faudrait que la France donne 1 milliard aux 4 DOM pour faire fonctionner les collectivités, ce qui n'est pas envisageable. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que la France, sous un peu le contrôle de l'Union européenne, considère que l'octroi de mer, qui était au départ une taxe uniquement fiscale, a un rôle protectionniste aussi. Et comme l'Europe, c'est la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination aux yeux des Européens entre un produit qui est fabriqué localement et qui n'est pas taxé, et un produit qui est importé. Et donc, depuis 1992, l'Europe a dit qu'il fallait taxer la production européenne. Et ça a été taxé en francs, puis en dernière date, l'octroi de mer était taxé jusqu'à 2015, sur la base d'un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. 550 millions. Ce qui faisait en sorte que beaucoup de petites entreprises guadeloupéennes qui produisaient n'étaient pas taxées. Et avec la loi de 2015, on a fait passer le seuil à 300 000 euros. 300 000 euros, ben c'est pas grand-chose. Hein. 300 000 euros, c'est environ 25 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Et cela veut dire que maintenant, beaucoup d'entreprises, notamment les boulangeries, hein, sont souvent des artisans, eh bien maintenant sont taxés l'octroi de mer. Et ce qui risque de se passer dans les mois à venir, peut-être l'année prochaine, s'il y a une nouvelle loi qui doit être votée, c'est qu'on augmente, on baisse le seuil de taxe, donc 100 000 euros, passe à 100 000 euros, ou peut-être même qu'il n'y ait pas. Ça veut dire même, je prends cet exemple, même la marchande pourrait être une personne qui fait. Et c'est la production qui est taxée. Donc c'est ça qui risque, c'est la nouvelle version de l'octroi de mer rend moins compétitives les entreprises guadeloupéennes. Bon, je prends un exemple hein, que tout le monde comprenne. CAPES, Evian est taxé. Eh bien, on a décidé de taxer CAPES. Bon, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que et c'est pour cette raison que les élus ne sont pas très embêtés. Pourquoi ils ne sont pas embêtés? Parce que si on décide de taxer la production locale, eh bien, il y aura plus de recettes. Donc ils n'ont pas cette vision de dire nos entreprises seront moins compétitives. Ils ont simplement la vision, de toute manière, ce n'est pas grave, si ils ont taxé production locale là, production locale là, plus ça nous a taxé assez d'importation, recette nous a augmenté, donc ça n'a pas posé problème. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de levée de bouclier, il y a simplement des petites escarmouches entre le président sortant et le nouveau, mais sur le fond, la question qui devrait se poser, il nous faut un instrument pour protéger la production guadeloupéenne. Or, le petit instrument qu'on avait qui jouait un rôle mineur, l'octroi de mer, est même en train de disparaître en termes d'instruments de protection de la production guadeloupéenne. Puisque l'Europe dit qu'il ne faut surtout pas que l'octroi de mer joue un rôle protectionniste. Il faut simplement que ça vous donne des recettes, et finir puis ça, vous avez vos recettes et vous fonctionnez. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'octroi de mer. Je ne pense pas que l'octroi de mer sera supprimé. Par contre, je pense qu'ils vont encore baisser le seuil de taxation pour taxer les entreprises guadeloupéennes. Bien. D'accord. Bien. Nico Italique,
Oui, je salue plaisir, parce que la Guadeloupe a besoin de la pédagogie de ceux qui la dirigent, qui aspirent à la diriger, et que ce soit des hommes qui soient non seulement compétents, mais qui politiquement sont engagés pour le pays. Et plaisir en est un exemple, et je le salue. Bon, que dire peut-être la même chose différemment. Moi, je crois que, pour dire ça de manière pédagogique, notre problème à nous, c'est de sortir du pacte colonial, la logique du pacte colonial. Comment on fait pour sortir de cette logique-là? Et tous les concours sont les bienvenus. Hein. Les initiatives entrepreneuriales locales pour produire ce que nous devons produire, l'intelligence collective de la consommation locale intelligente pour consommer ce que nous produisons chez nous, des politiques qui comprennent qu'ils ne sont pas l'outre-mer, mais ils sont la Guadeloupe. Et que le but de ce jeu-là, c'est la cohésion de leur territoire, l'intelligence du territoire, la ressource du territoire. Tous, autant que nous soyons, nous pouvons intervenir pour concourir au fait de reculer, de faire reculer la logique du parc colonial. Le colbertisme, c'est notre fléau, c'est le fléau principal. Alors, peut-être profiter aussi des contradictions que crée la question européenne. Voir ce que ça veut dire la subsidiarité pour nous en tant que Guadeloupéens. Donc tous les esprits, toutes les volontés, tous les partis, tous les statuts sont les bienvenus dès lors qu'il s'agit pour nous de faire reculer le parc colonial. Mais c'est vrai, ça passe par une explication, et plaisir le fait très bien. Il est clair, il nous éclaire. Maintenant, il s'agit pour nous de prendre cette lumière qu'il donne pour créer des entreprises, consommer différemment, qu'un homme politique ne soit pas un béni oui-oui des diktats français, domicile du pouvoir ici. Moi, je suis très heureux de cet échange-là. J'espère que les Européens ont profité de cette pédagogie que plaisir nous a proposée. Et bon travail. Oui, alors j'ai écouté M. Plaisir avec beaucoup d'attention. Et sur les chiffres avancés, je ne pense pas avoir des arguments pour contrer les chiffres avancés. Il y a certainement de la vérité dans cette affaire-là. Cependant, à entendre les uns et les autres, et notamment M. Plaisir, on peut penser que la Guadeloupe ne fait qu'apporter à la France. Je pense que quand on regarde les taxes douanières, on regarde la TVA, on regarde... Non, mais je pense qu'il y a un tout. La Guadeloupe, certainement, apporte beaucoup à la France, comme l'ensemble de l'Outre-mer, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a aussi, et on a oublié dans cette affaire-là, de ce que la France aussi apporte à l'Outre-mer. On ne peut pas toujours dire, ah ben si c'est ça, si il n'y a que l'Outre-mer qui apporte à la France, eh ben arrêtons aujourd'hui d'avoir des relations avec la France. Non, mais le plus souvent, on dit le plus. Je termine. Ouais. On arrête tout de suite d'avoir des relations avec la France. Sur le plan sanitaire aujourd'hui, c'est pas que on rentre dans un débat idéologique là. Hein. Nous sommes un peu dans un débat idéologique. On est d'accord. On va vers l'émancipation ou on va vers l'indépendance ou on va. Moi, aujourd'hui, quand on regarde au regard de la situation actuelle sur le plan sanitaire, je viens de voir que M. Trump a eu des doses pour pouvoir contrer le coronavirus à 2000 euros la dose. Pour M. Trump. C'est peut-être pas encore le cas pour les vaccins qu'on a en France. Mais au regard de l'action sanitaire, on ne peut pas dire que c'est nous seulement qui apportons à la France, l'outre-mer en général, il y a aussi ce qu'on reçoit. Si on regarde sur le plan de l'éducation, M. Plaisir l'a dit, effectivement, il y a des apports qui sont donnés pour l'éducation. Mais c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. L'éducation. Quand on regarde sur le plan stratégique, la paix que nous avons dans la Caraïbe, ça permet un développement, une garantie pour les entrepreneurs. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité sociale, il n'y a pas de stabilité militaire, il ne peut pas avoir de développement économique. Ça chasse les investisseurs. Donc, la paix qui est apportée, il y a la paix, l'autorité de la France, et aussi nous bénéficions aussi de la proximité de l'Amérique.
n'importe qui ne viendra pas mettre du désordre dans le bassin caribéen, ce qui engendre une certaine peur pour le développement économique du secteur, non seulement la Guadeloupe, mais tout le CARICOM. Au regard, et je termine sur ça, quand on voit la monnaie que nous utilisons en Guadeloupe, l'euro, toute la Caraïbe converge vers la zone euro pour venir chercher de l'euro pour envoyer dans leur pays. On peut citer les Haïtiens, on peut citer la République dominicaine, on peut citer l'île de la Dominicaine, et toutes les îles, on cherche à venir, et nous ne nous rendons pas compte de l'importance que nous avons dans la zone Caraïbe, ne serait-ce qu'avec l'euro, que nous avons comme une monnaie forte. Tout le monde cherche à venir à avoir de l'euro. Je vais à Trinidad, pas à Trinidad, à Barbade, mais on ne connaît pas l'euro, hein. Mais quand je dis je donne pour boire, je dis j'ai des dollars et j'ai de l'euro. Le taximan m'a demandé, ben donnez-moi l'euro. Hein. Alors c'est dire que nous avons une attirance vers nous. Et sur le plan sanitaire aussi, on voit ça au Brésil, en Guyane avec le Brésil, en Guadeloupe avec les îles environnantes, et même en Europe, sur le plan continental, avec les Algériens et les autres, où on voit des gens converger pour venir chercher la santé gratuite en France. Donc il y a un certain nombre de choses aussi qu'il faut dire. Ouais. Je suis tout à fait d'accord et je prendrai l'exemple, et je terminerai, Monsieur Plaisir, a plaisir de citer comment ça s'appelle, l'île de Saint-Barthélemy. Et on a bien vu une île qui était dépendance de la Guadeloupe, la richesse que c'était là pour pouvoir développer son île. J'ai d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Oui, voilà. Et coller. Oui, c'est vrai qu'on en veut à notre euro, mais pas qu'à notre euro. On vit aussi chez nous pour bénéficier des minima sociaux. On vit aussi chez nous pour bénéficier justement de la législation française sur les personnes qui sont en situation défavorisée et qui connaissent effectivement des masques chez eux. Bref, la Guadeloupe est suffisamment ouverte et elle est en même temps offerte. Mon souci, M. Mandré, dans tout ce qui a été dit, et je salue Alain Plaisir que j'ai eu l'occasion de côtoyer, d'échanger avec lui, et c'est vrai que de manière assez remarquable, qui arrive et ex-professo à nous enseigner et nous rappeler comment notre pays justement est une richesse pour la France. Et c'est vrai, cette richesse, elle est tellement vraie qu'à un moment donné, je me pose la question justement des hommes. Et c'est cette question que nous devons nous poser. Cette visibilité de l'outre-mer, en tout cas des Guadeloupéens, des Martiniquais, puisque Outre-mer, effectivement, fait référence à des choses qui, pour moi aussi, la France, c'est l'Outre-mer, hein, là-dessus. La visibilité de ce que nous sommes, parce que nous n'apportons pas qu'à la France que des richesses, M. Mandré, qu'une zone économique exclusive, et je rappelle que, et Alain l'a bien dit, effectivement, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a pondu, justement, à Montego Bay, justement, donc la fameuse Convention sur le droit des océans, a conféré, justement, à la France une façade maritime exceptionnelle. Hein, c'est 90% des Outre-mer qui fait de la France effectivement une puissance et justement remarquable et non négligeable. Donc c'est inestimable ce que nous apportons. Mais en termes de valeur humaine, M. Mandré, les compétences que nous, Guadeloupéens, lorsque nous partons de chez nous, nous arrivons en France hexagonale. Vous savez, vous avez entendu que ici les statistiques démographiques ont montré que nous perdons en population. Nos jeunes Guadeloupéens ne reviennent plus chez nous, ici à la maison. Ils restent en France hexagonale. Ce capital humain, M. Mandré, qui est très important, cette visibilité des Outre-mer dans l'hexagone, M. Mandré, celle-là, M. Mandré, elle doit être quantifiée. Et aujourd'hui, la réalité est que nous sommes invisibles en France hexagonale. On nous rend invisible, la preuve. France O n'arrive même plus à pouvoir produire ce que nous sommes, à montrer notre identité, M. Mandré. Nous sommes à la limite même phagocytés par des stéréotypes lorsque nous sommes en France hexagonale, M. Mandré, sous couvert de notre épiderme. Autrement dit, la qualité humaine, cette richesse humaine que nous apportons à la France, M. Mandré, elle est inestimable. Et celle-ci doit être prise en compte. Et moi, je terminerai en disant une seule chose. Et je rappelais la Constitution française, qui répète et qui dit que la France est une et indivisible. La notion d'indivisible de la France la confère dans un comportement trop égalitariste, trop uniformiste, et à la limite même, M. Mandé, tendancieux. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse nous accepter notre diversité. Et c'est ça qui serait, à la limite même, une richesse pour la France, c'est de nous accepter tels que nous sommes, et à la limite même, M. Mandé, au titre des patrimoines sensoriels que nous avons, de respecter, par exemple, on va dire à Pécassonné, on ne peut qu'à chanter. – Alain Plaisir, ça, on termine par… – Bon, Rouané, oui, allez. – Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, sauf que j'ai rappelé au début de mon intervention qu'effectivement, il y a des transferts publics, j'ai parlé donc de la paie des fonctionnaires, hein, que ce soit les fonctionnaires de l'État,
parmi les enseignants sur notre fournisseur de l'État. Et donc, c'est la France, c'est l'État qui paie ses fonctionnaires. Donc, j'ignore pas qu'il y a une contribution de l'État qui joue son rôle en Guadeloupe. Également, j'ai parlé également, puisqu'on a parlé des problèmes sanitaires, effectivement, il y a un déficit de la sécurité sociale qui est comblé par le budget de la France. Donc, ça, on ne fait pas de la démagogie, on dit les choses comme elles sont. Mais par contre, je mets en évidence ce qu'on ne fait pas souvent. Les apports de la Guadeloupe, les autres camarades qui ont fait des interventions après moi ont apporté des précisions. Donc la Guadeloupe n'est pas la danseuse comme on veut nous présenter. On contribue également aux richesses de la France, on contribue au produit national brut de la France, et au même titre que beaucoup de régions de France. Donc il faut qu'on arrête de dire que nous sommes dépendants, nous dépendons de la France, nous apportons des contributions et également au niveau du prestige de la France. Nos sportifs font gagner, encore hier, il n'y a pas longtemps, vient de gagner une médaille d'or. Il y a tout ça qui contribue au prestige de la France. Donc je termine, je n'ai rien d'autre à dire, hein. Simplement je salue tous les amis qui sont sur le plateau. Et je pense, j'espère qu'on va se retrouver pour échanger en d'autres lieux sur le présent et l'avenir de la Guadeloupe. Merci, Alain Plaisir. René, nos pénitents, hein, quoi, parce que nous, j'ai dit l'essentiel, ce sera pour la prochaine fois. Monsieur André, en plus, à ça qui j'ai dit. René, oui. Pourquoi on a ajouté des bêtises en plus à ça qui j'ai dit, hein, quoi, que depuis quelques temps et depuis quelques émissions, nous en train pitié à pitié de serrer toutes les question importante qui a fait que manifestement nous avons une véritable volonté de débarrasser d'un système colonial. Et là, on a dit débarrasser d'un système colonial, ça ne veut pas dire débarrasser des rapports avec la France. Nous n'avons pas de problème qu'à poser des problèmes. Seulement, il faut que les rapports avec la France, c'est des rapports qui équitable. On va dire égalitaire parce que égalitaire, effectivement, c'est un mot qui a généré pas, mais qui est équitable et qui permet nous entrer à deux chemins à la responsabilité et à l'émancipation. Responsabilité, c'est-à-dire prenons-nous en main. Émancipation, c'est-à-dire donnons-nous les moyens de construire notre développement. Peut-être pour voilà, le dire comme Césaire, comment faire pour cesser d'être le jouet sombre au carnaval des autres? Ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée et à dimanche, si vous voulez bien. Merci de nous avoir suivis. C'est bon, faut être là. Bah, il faut être là.